Et salut tout le monde, c'est Adkilo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur un jeu dans lequel nous allons devoir attaquer la zone 51. Vous savez, cette zone militaire qui est interdite d'accès, dans laquelle il semblerait qu'il y ait d'énormes secrets sur les ovnis. Et vu que ceux qui travaillent à la zone 51 ne doivent rien dire, nous allons tenter d'y accéder. Alors pour cela, nous aurons tout un tas d'attaquants qui vont se frotter aux portes de la zone 51, tenter d'y rentrer pour ensuite attaquer les différents bâtiments à l'intérieur. Là par exemple, je peux constituer mon arsenal. J'ai des runners qui sont là, je les prends, je les prépare pour aller au combat. Alors j'ai pu avoir que 5 runners car j'ai déjà complété mon arsenal, mais en tout cas nous allons devoir l'améliorer. Alors c'est parti pour la première course, niveau 1, la barrière d'entrée. Alors attendez, il y a des petits trucs à ramasser. On va déployer un type ici, un autre là, là, et voilà. Et c'est parti, attaquez-vous à la barrière les gars, on veut rentrer dans la zone 51, c'est parti. Donc la vie de la barrière est quasiment pétée, on va y arriver les gars. Allez, continuez, 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 yes, c'est réussi, on passe maintenant au niveau 2. Alors là par contre, ok, niveau 2, je me suis fait allumer. Il y avait des snipers, ils m'ont défoncé. J'ai même pas eu le temps d'atteindre le portail. Bref, vous avez compris les abonnés, ça va être un truc de fou ce jeu. Et j'ai d'ailleurs débloqué des gens qui vont lancer des pierres. Donc qui auront un petit peu plus d'attaque. Et on va essayer d'aller au niveau max de ce jeu. Alors juste avant de continuer, je vous demande à tous de vous abonner à ma chaîne si vous voulez faire partie de l'attaque contre la zone 51. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et moi c'est parti, j'envoie 5 abonnés, j'envoie quelqu'un qui lance des pierres et c'est parti, on retente l'attaque. Alors par contre il faut prendre la thune et ce petit truc là. Hein. Allez c'est parti, on y va. Alors pour l'instant aucune perte à déplorer, aucun problème, c'est bon. Niveau 2, oh là, ah mince j'ai oublié de lancer lui, le lanceur de pierre, vas-y mon pote. Tape. Ah ouais, lui il lance d'hyper loin, c'est cool. Par contre il va se faire allumer normalement. Ouais, il va se faire défoncer. Oula, oula, c'est bon. Bon, je suis pas encore assez puissant, va falloir améliorer mes troupes là. Alors pour cela j'ai moyen d'améliorer donc mes runners. Je vais leur donner un plus 1 de damage. Comme ça ils iront un petit peu plus vite. Et maintenant je peux avoir 9 d'arsenal. Ça c'est parfait, donc je vais rajouter un deuxième lanceur de cailloux. Et c'est parti, on y retourne. Alors les abonnés, je vous envoie au front. C'est parti. Et les deux lanceurs de cailloux, c'est... Oh là, faut ramasser ça aussi, ce serait bien. Ouais, c'est bon, je sais pas à quoi ça sert, mais... Oh là là, comment je la démonte trop facilement. Mais non, c'est reparti. Niveau 2, le portail, il va pas me résister cette fois-ci, on va le démonter. Allez, lanceurs de cailloux, on y va. Oh là là, tout le monde est mort, vous êtes dans la merde, vous êtes dans la merde. Et mince. Ah là, qu'est-ce que c'est génial. Alors, deux runners, j'en reprends deux. Ah non, mince, ça c'est pour les améliorer. Hop, je vous prends les gars, on sera 7. Voilà, j'envoie 7 abonnés au front plus 2 lanceurs de cailloux. Cette fois-ci, j'espère atteindre au moins le niveau 3, qu'on entre peut-être à l'intérieur. Parce qu'après les barrières, après le portail, on sera sûrement à l'intérieur de la zone 51. Et c'est parti pour le portail. Ah, dommage, ils ont pas ramassé ça du coup. Allez, on défonce. Allez les gars, vous allez y arriver. Moi, je me mouille pas, je reste loin, comme ça je me fais pas avoir. Allez, il n'y a plus que 2 lanceurs de cailloux. Encore un caillou ou 2. Encore un. Non. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave, allez, je peux en rajouter 2 et cette fois-ci on va les avoir. Et c'est parti, les amis, on y va. Donc, la barrière elle tombe sans problème. Et là, c'est reparti. Oh yes, je peux ramasser la thune. Ça, c'est bon pour la suite. On y va. Allez, s'il vous plaît, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Yes, round 2 réussi. On passe maintenant au 3. Oh, maintenant il y a la main door. Ok, c'est la porte principale. Ok, je me suis fait allumer. Bon, allez, je vais améliorer mes lanceurs de cailloux. Je vais leur ajouter un damage. Et c'est reparti. Je t'ajoute au combat et on y va. Oh là, ça... Oh, un truc ovni, qu'est-ce que c'est les trucs ovni? Il y a vraiment des trucs bizarres sur ce jeu, on va voir ce que ça donne après, mais... Ok, niveau 1, maintenant je le défonce, hein, trop facile, yes, j'ai ramassé tellement de thunes. Allez, il faut la démonter, oh, je vais pas trop en perdre, c'est parfait. On passe maintenant à la main door et peut-être qu'on va la péter. Non, on la pétera pas, oh là là, je suis en train de prendre cher finalement. Mais les lanceurs de cailloux font pas mal de dégâts quand même, je trouve, hein. Et boum, ça fait défoncer. Bon, vu que le jeu est super sympa, je me suis acheté des coins. Comme ça, on va aller le plus loin possible ensemble. Donc du coup, ça va me permettre d'améliorer plus 1 damage pour mes runners, enfin pour mes abonnés. Oh, ça y est, ils sont déjà au max. Bon, ça va suffire pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Mes lanceurs de cailloux, je vais rajouter un petit peu plus 1 damage. Je vais garder ma thune pour l'instant pour améliorer les prochaines classes. Mais en tout cas, là, je pense que j'ai assez pour tout démonter. Allez, c'est parti, on y retourne. Et là, niveau damage, ah oui, d'accord, on les démonte, hein. Allez, on continue. Niveau 2, démontez-les. Ah oui, ça va vite, j'ai perdu que un gars, je crois. Niveau 3, allez les gars, on n'a jamais été plus loin que cette zone, on veut y aller là. Oh putain, oh là 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 là, oh non, j'ai trop perdu encore, dommage. Bon, il faut clairement que j'améliore leur vie, hein, parce qu'ils prennent trop cher.
Domage aussi. La vitesse, non, pas encore, pas forcément. Je vais améliorer la vie de mes petits abonnés aussi, ça leur fera plaisir. Voilà, nickel. Et c'est reparti. On part au front. Mince, j'aurais pu rajouter quelqu'un. Non, tant pis, hein. Oh, tant pis, j'aurais pu rajouter deux runners, mais c'est pas grave. Non, non, ça devrait le faire. Voilà, hop, on les démonte. Le portail, soignez-vous les abos. Voilà, parfait. Et parfait. Niveau 2, j'avais perdu qu'un seul gars, je crois. Donc on est plutôt bien. Oulala, mais ça on prend tellement cher au round 3, c'est pénible. Oh, ils font trop mal. Mais c'est bon, normalement ça va passer. Normalement ça va passer. Allez, mes lanceurs de cailloux. Mes lanceurs de cailloux, ils vont tout démonter. Yes. On passe au niveau 4. Oh, ok. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, je me suis fait allumer. Allez mes abonnés, je vais encore vous maxer. Je vous mets plus 1 en vie et par contre j'ai déjà plus de thunes. Donc je vais mettre également plus 1 au lanceur de cailloux. Et je vais en rajouter, allez, je me prends 4 runners. 4 runners pour y aller. Allez, on est de plus en plus sur la chaîne, parfait. Allez go, c'est parti les runners. Et les lanceurs de cailloux. Bon, niveau 1, aucun problème, comme à chaque fois. Niveau 2, normalement ça devrait le faire. S'il vous plaît, ne perde personne. Que personne ne meurt. C'est bon, j'ai encore tout le monde pour le niveau 3. Ça c'est très bien. En plus il y en a qui se sont soignés. Et là ok j'ai perdu une personne. Ok j'ai perdu qu'une personne. On passe au niveau 4. Oh ça y est on est à l'intérieur. On va pouvoir rentrer dans le bâtiment principal. Peut-être si on casse tout. Non je me fais allumer. Il y a 4 gardes quand même. Ils nous démontent. Ah dommage. Dommage. Allez, je vais ajouter 4 runners pour la prochaine course. Et là, je compte sur vous, les abos. Hein. Ah, en plus, il y a un peu de thunes à ramasser. Je vais essayer d'être varié, d'en mettre un petit peu partout comme ça, on est sûr qu'ils vont ramasser des trucs. Et allez, on y va. Voilà, niveau 1, on n'a vraiment pas le temps de voir. Allez, continuez, s'il vous plaît. Faites vite, ne perdez personne. Niveau 2, on a perdu personne encore. Niveau 3, si je perds personne cette fois-ci, ça peut être ouf. Oh non, c'est bon, j'ai perdu une personne. C'est pas grave, c'est pas mal. On va peut-être passer le round 4. Hein. Peut-être que ça va le faire. On est beaucoup là. Il y a du monde. On est en train de les démonter. On va rentrer. Est-ce qu'on va passer au niveau 5? Allez, yes. C'est bon, on y est. On est au hangar. Ok, oh là là. Le hangar doit avoir pas mal de secrets sur les aliens, mais malheureusement, je suis mort. Et ça y est, j'ai débloqué donc Kyle. Je sais pas qui c'est Kyle. Ça va être le chef du mouvement. Du coup, je vais libérer, voilà, 3 runners afin de mettre Kyle. Alors, attendez, je vais libérer plus. Je vais enlever un lanceur de cailloux, enlever eux et je vais rajouter, hop, 2 Kyle comme ça. Ça fera 3 en tout, je vais les améliorer. Je vais mettre plus 1 damage, pas mal, plus 1 damage, plus 1, ok, déjà max. Et également plus 1 de vie. Allez, c'est parti les Kyle, je compte sur vous. Hein. J'espère que vous êtes bons. Il faut y arriver. Il faut réussir. Allez, c'est parti. Attaque. Allez, je compte sur vous, les abos. Ok, ce gate, niveau 2. S'il vous plaît, on perd personne. On a perdu personne. Tout va bien. La porte principale. Allez, les gars. Allez. Oh, les Kai, ils ont pas le temps d'y arriver. Hein. Les Kai, ils sont vraiment trop lancés. C'est eux qu'il faut envoyer en premier, en fait. Oh là là. Allez, les Kai, allez. Il faut que je vous pousse ou quoi? Vous êtes tellement lents, c'est abusé. Par contre, ils font plus de dégâts, eux. Hein. Oh là là, non, ils se sont fait allumer, dommage. Du coup, ça serait bien que j'améliore un petit peu la speed des Kyle, parce qu'ils ont même pas le temps d'arriver, que les autres sont tous morts. Hop, du coup, je vais enlever un runner, histoire de rajouter un Kyle, et on repart au combat. Alors, les Kyle, je vous envoie en premier, le temps que vous arrivez. Hop, les runners, enfin, les abos, je vous envoie avec deux lanceurs, deux pierres, comme d'habitude. On y va. Niveau 2, tout se passe bien pour l'instant. Attention, il y en a deux qui vont passer. Non, c'est bon. Ils sont pas morts. Allez, on continue. Niveau 3, on ne perd personne. Si, on a perdu 2 gars, c'est pas grave. Niveau 4, et là, peut-être qu'on va le passer. Je l'espère. Frappez. Oh là là, j'ai perdu pas mal de monde quand même. Ça va peut-être pas suffire. Allez, il reste plus grand chose. Mon lanceur de pierre tombe, je me suis retourné. Bon, j'ai regardé pas mal de pubs histoire d'avoir un maximum de thunes. On va pouvoir améliorer un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que mes abonnés, mes runners, je les mets au maximum. Ah non, ça coûte un peu cher quand même. Attendez, tranquille. On va améliorer eux aussi également. On va leur ajouter un petit peu de vie. Mais aussi les Kyle, ça va être important de surtout de leur ajouter encore de la vitesse. Et 1067, oh là, tout coûte cher maintenant. Donc là, normalement, ça devrait le faire. On va rajouter un lanceur de cailloux. On est 33, enfin, il y a un arsenal de 33. Et c'est reparti. On y va, on va essayer d'aller plus loin que la dernière fois. Donc on va essayer de dépasser ce fameux hangar qui nous fait défaut depuis tout à l'heure. Allez, on y va. Oh là, mais ça va tellement vite maintenant. Oh, j'ai perdu personne. Ça y est, là, je viens de perdre quelqu'un. Je perds une personne au niveau 3, donc ça va. Si on est au niveau 4, on va faire tellement mal. Allez, les gars. Allez. Yes. On est pas mal, hein. Le hangar, ça peut le faire, là, pour cette fois-ci. J'espère que ça va le faire. Hein. J'espère que j'ai pas regardé toutes ces pubs pour rien. Normalement, c'est bon. Allez, les gars. Oh là là, ça va être limite. Ah non, ça va juste pas passer du tout, en fait. Oh là 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 là, je prends tellement cher. Dommage. Bon, je me suis encore maté tout un tas de pubs pour avoir un maximum de thunes. On va augmenter la vitesse de mes runners une deuxième fois. Et tout est maxé.
le runner est enfin à son niveau maximum. Et j'ai plus de thunes pour le reste. Alors, niveau arsenal, je peux ajouter 4 personnes, mais écoutez, on va rajouter des runners, hein, tant qu'à faire. Je viens de les maxer, donc autant s'en servir. Allez, c'est parti. Là, on va passer le hangar. On va tout passer, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Allez, les gars. Ok, j'ai pas eu le temps de tout mettre. Voilà, venez là, les gars. C'est bon. Oh, j'ai toujours pas le temps de les mettre trop vite. Mes runners sont tellement efficaces avec leur speed au maximum. Vous avez vu la vitesse qu'ils ont. C'est un truc de fou. Un truc de fou. En tout cas, c'est cool. Hein. J'ai à peu près toute la ligne horizontale du truc. Donc, dès qu'il y a un truc par terre, je le ramasse. Et là, le hangar va être mais tellement easy. Je vais même peut-être passer le niveau 6. Allez, c'est parti, niveau 6, encore un mur. Un mur tellement blindé. C'est abusé. Bon, je le passerai peut-être pas là. Là, on n'est pas assez, je crois, les amis. Hein. Mais bon, continue à taper, on garde espoir. Oh, on l'a mis mid-life, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais tenter avec seulement des runners. Donc en fait, bah, ça fera 39 runners, c'est énorme. On va voir si je vais plus loin comme ça. Alors là, ça va aller vite en tout cas. 39, oh là, mais le temps que je les mette tous, c'est énorme. Alors, je les sélectionne et c'est parti. On va essayer de mettre sur toute la ligne, comme ça, ça pourra tout ramasser au sol. Ah, j'ai pas eu le temps de tout mettre, hein. Il m'en reste 10 à mettre. Allez, les gars, allez, c'est bon. Je crois que j'ai mis tout le monde. Ah non, il en reste un. C'est bon, nickel. Il est un petit peu en retard, mais oh là là, ça va tellement vite. Oh, les runners, truc de fou. Allez, on est déjà au hangar, nickel. Eh bien, ça se passe plutôt bien pour l'instant, j'ai l'impression que c'est mieux, hein. Que c'est mieux que tout le reste, hein. Ok, allez, maintenant on passe au niveau 6, on l'a jamais dépassé. Oh, mais oui, c'est ça qu'il fallait faire, en fait. Mais que des runners, c'est tellement OP, c'est un truc de ouf. Allez, allez, on passe au niveau 7, parfait. Let's go. Oh là là, c'est le blindé. Oh, c'est le bunker. Le bunker, on va essayer d'y rentrer. Mais à mon avis, on va pas y passer. Mais c'est pas mal, franchement. On a fait tellement de mal à la défense, là, c'est un truc de fou. Mais que les runners, c'est la base, c'est vraiment trop trop bien. Allez les gars, je crois en vous, vous pouvez le faire. Plus que 2, plus que 3, il me reste pas d'un, mais attention. Encore un coup, yeah, c'est passé. Ah non, je suis mort, en fait je suis mort. Je suis passé mais je suis mort. Ah, j'ai débloqué les tanks, let's go. Enfin, c'est des gars, hein, mais ils s'appellent tanks. Je vais essayer de les maxer, je vais prendre que des tanks, on va voir ce que ça donne. Bon, ils sont niveau 7, allez, j'enlève tout le monde. Et on va mettre que des tanks. Ah, je peux en mettre que 14, hein. Allez, c'est parti, on va tester ça. Donc, on y va, niveau tank, on y met et on met des runners. Non, mais sinon, il faudrait que je réussisse à faire un truc assez équilibré de manière à vraiment à que mes tanks protègent mes runners. Ils sont tellement lents. J'aimerais les pousser, quoi. Ils sont vraiment trop lents. Allez, les gars, on avance, allez. Ah, voilà, j'irai jusqu'au hangar maximum. Bon, en même temps, mes tanks sont pas maxés, hein. Ah, mais là, je vais passer tranquille. Il va m'en rester beaucoup plus que tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il m'en restait zéro. Je suis passé, je suis mort immédiatement. Et là, on passe tranquillement. Il me reste 5-6 bonhommes. C'est parfait. Allez. The dead end. Oh non, ça c'est... Ah, c'est la porte de fin. Bon bah écoutez, je trouve qu'on a été plutôt fort aujourd'hui. On a perdu pas mal de nos gars. Mais ce jeu était super sympa. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez une suite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve à très bientôt. Salut à tous, c'était Red Kill. Bye tout le monde.